Hôtel, sous la demande de certains interlocuteurs, je vais vous donner une astuce assez simple et très effective en ce qui concerne le contact des ancêtres. Donc, quel type de rituel? Ou alors, je vais vous donner tout simplement un rituel très simple que vous pouvez faire. Chaque jour, ou alors une fois par semaine, pour pouvoir rendre hommage, ou alors pour pouvoir entrer en contact avec vos ancêtres et les génies de votre famille. Autrement dit, votre famille spirituelle, parce que la famille spirituelle, en réalité, comprend les ancêtres, les génies titulaires, votre guide spirituel, votre ange gardien, donc tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la famille spirituelle. En fait, vous savez, l'une des façons les plus simples, voilà, les plus simples et les plus directes pour être en contact avec les énergies, ou alors vos ancêtres, voilà, vos ancêtres, ceux qui sont liés à votre sang, à votre ADN, ceux qui ont été sur Terre avant vous, suivant votre lignée, pour entrer en contact avec eux de façon ordinaire, de façon simple. Il faut, vous pouvez tout simplement vous habituer à aller dans la nature et vous allez choisir un coin dans la nature. Et une fois que vous serez dans ce coin-là, vous munissez de l'eau, très simplement, vous n'avez pas besoin de. Vous munissez tout simplement de l'eau, voilà, et vous allez y verser quelques gouttes à même le sol et. Vous allez parler, vous allez dire ce que vous avez dans le cœur. Et si vous n'avez pas de message particulier, vous pouvez tout simplement dire que par ce geste, je rends hommage à mes ancêtres, à ceux qui m'ont précédé sur cette terre. Soyez toujours à mon écoute, soyez toujours disponible pour m'aider. Merci. Donc, vous faites, vous formulez une parole si simple. Donc, vous dites quelque chose de très simple comme ça. Et vous allez le faire, mais il faudra que vous le fassiez à une fréquence précise. Vous pouvez le faire une fois par semaine ou une fois par mois ou après 6 mois, il n'y a pas de problème. C'est le geste qui compte. Voilà. Et si c'est un rite que vous voulez faire, donc. Chez vous, de façon très simple. Il est conseillé de, si vous êtes en Afrique, vous êtes sur la cour et puis ça, et puis il y a la terre, c'est sur la terre, vous versez sur la terre. Mais si vous êtes en Europe, vous ne pouvez pas verser. Vous êtes dans les, en Europe, généralement, on est dans les appartements. Donc, étant dans l'appartement, vous n'allez pas verser un peu d'eau à terre. Ça va, si vous avez la nappe et tout ça, ça va commencer à pourrir avec le temps. Donc, là, il sera conseillé d'utiliser de la terre. Vous pouvez utiliser une terre que vous avez tout simplement pris dans la nature. Vous avez pris la terre, vous avez recueilli la terre dans un bocal ou dans une calebasse. Et chaque fois que vous ferez, vous aurez envie de. Vous allez déposer ça sur une table, disons dans un endroit spécial. Et chaque fois que vous aurez envie de vous adresser à vos ancêtres, vous pouvez. Vous approchez de ce bol de terre et versez quelques gouttes d'eau ou de vin, ce que vous voulez, et vous adressez à vos ancêtres. Mais si c'est un rituel que vous allez en faire chaque jour, dès chaque matin avant de sortir, dans ce cas, il faudra vous habituer à verser, à y verser de l'eau. Tout simplement, à y verser de l'eau. Donc, vous allez vous approcher de votre endroit et vous allez verser quelques gouttes d'eau et en disant par exemple ceci, je rends hommage à mes ancêtres, merci de veiller sur moi et de tout ce qui me concerne, merci pour votre amour, je vous envoie mon amour infini. Tout simplement, voilà, vous le faites chaque matin avant de sortir. Voilà, vous essayez de jeter 3 gouttes, ne vous inquiétez pas, ça ne va jamais se remplir, ça va toujours se sécher. Si vous avez pris juste un bol, une cuvette,
Ou alors, vous avez pris une calebasse dans laquelle vous avez mis un peu d'eau. Et chaque matin, donc, vous versez quelques gouttes d'eau avant de sortir, vous versez là, et voilà, c'est fait. L'essentiel, c'est que dans votre esprit, vous ayez déjà en pensée que ce geste s'adresse à vos ancêtres. Donc, pas le fait de ce que vous allez parler, de ce que vous pensez, des vibrations vont être transmises à l'endroit, des vibrations d'amour, des vibrations que vous avez émises vont être transmises à l'endroit de vos ancêtres et ils seront conscients de l'amour que vous portez pour eux et sera les donner parallèlement de l'énergie pour toujours pouvoir veiller sur vous et vous inspirer, vous guider, vous protéger. Voilà. Et aussi en ce qui concerne les terres, il faudra faire attention parce que certaines personnes m'ont dit, bon voilà, ils veulent faire un hôtel pour un hôtel chez eux, un petit lieu pour pouvoir entrer en liaison vibratoire, entrer en contact avec les ancêtres. Mais il faudra faire très attention. La terre que vous allez prendre dans le cimetière ou le caveau familial, il faudra faire très attention parce que déjà, il faut savoir ce qu'on enterrait dans ce caveau familial. Ont-ils rejoint le village des ancêtres? Ont-ils mérité le statut d'ancêtre? Sont-ils dans ce qu'on appelle la plénitude? Sont-ils dans la paix du cœur? Sont-ils dans la paix de l'âme? C'est la question qu'il faut poser avant d'aller prendre les terres dans les caveaux familiales. Parce que vous pouvez aller dans un caveau familial où vous avez des aïeux, voilà, qui sont morts de façon brutale, qui n'ont pas été en paix avec les gens de la société, et, bref, qui n'ont pas mérité un statut ancestral. Mais vous allez donc prendre ces terres-là pour pouvoir. Vous allez donc prendre ces terres-là, vous venez mettre ces terres-là chez vous. Là, c'est les problèmes que vous avez pris pour mettre chez vous. Parce que ces gens-là n'ont pas atteint la plénitude de l'âme, ils ne sont pas dans l'équilibre. De l'autre côté, ils n'ont pas rejoint, ils ne sont pas dans l'équilibre. Alors, vous allez donc prendre cette terre-là et l'emmener chez vous. C'est des problèmes que vous allez emmener chez vous. Et vous serez surpris que vous aurez toujours, toujours, toujours des problèmes spirituels, toujours des attaques spirituelles. Vous n'avez pas dormi correctement. Vous aurez des cauchemars, vous aurez tous ces trucs qui n'ont pas de sens parce que vous êtes allé prendre une terre à problème. Voilà. Si vous avez besoin, c'est clair que dans un endroit pour entrer en contact du bâton, on a besoin de la terre, on a besoin de ce qui vit. Mais parallèlement, si vous ne pouvez pas donc, si vous n'êtes pas sûr de la terre du caveau familial, même si c'est vos parents directs qu'on a enterré là, si vous n'êtes pas sûr de cette terre-là, il faudra que vous allez aller tout simplement dans la nature, vous allez prendre de la terre là-bas, vous allez mettre dans une calebasse et c'est sur cela que vous allez faire vos libations et sera le canal de contact avec vos ancêtres. Parce que vous savez, les ancêtres, ils sont partout, ils sont en nous, ils sont autour de nous. Ils sont dans ce qu'on appelle l'énergie universelle, donc ce qui fait que on est interconnecté avec nos ancêtres. Ce qui fait que si vous avez pris de la terre, tout simplement de la terre dans la nature, avec l'intention que cette terre-là va représenter le contact vibratoire avec vos ancêtres, alors ça sera fait. Voilà. Il faudra toujours avoir confiance en vous, en tout ce que vous faites. Voilà. Et les résultats ne tarderont pas à venir. Voilà. Ça, c'était mon petit partage avec vous pour vous dire comment faire un rituel journalier de contact avec les ancêtres. Voilà. Parce que, pour récapituler, j'ai dit, vous pouvez faire le contact mensuel ou un contact après 6 mois, après 1 semaine. Cela dépend de vous, mais il faudra que ce soit périodique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si vous voulez faire un contact journalier, vous pouvez le faire le matin au lever de soleil. Vous le faites le matin au lever de soleil. Et vous le faites très simplement. Il suffit juste de prendre, vous avez un peu d'eau, peut-être dans un verre, et vous émettez l'intention de rendre hommage et de rendre hommage, d'émettre des vibrations d'amour et de recevoir l'assistance et les vibrations pour prospérer dans votre vie. Voilà, vous avez émis. Ce vœu-là, vous versez 3
petite goutte d'eau à terre de façon symbolique. Voilà. Mais si vous ne pouvez pas renverser à terre parce que vous avez le matelas, pardon, parce que vous avez la moquette, vous avez des tapis chez vous, alors là, il faudra chercher tout simplement une petite cuvette de terre que vous allez mettre à l'intérieur de chez vous. Et chaque fois, chaque matin, donc, vous ferez vos libations dessus. Et en plus, vous pouvez mettre au-dessus de cette terre, vous pouvez mettre quelques pierres, vous pouvez mettre tout ce qui est vibratoirement connecté à vos racines. Et voilà, vous avez tout simplement un petit espace comme ça. Et voilà, c'est sur ça que vous allez faire vos rituels de contact. Et ce petit bol de terre va symboliser un mini sanctuaire de contact vibratoire avec vos familles spirituelles. Ça, c'était le partage que je voulais faire avec vous. Et j'espère que vous allez bien capter ce message. Voilà, à très bientôt. Merci de partager la vidéo et merci de vous abonner si vous êtes nouveau. À très bientôt. Peut-être.